Hey, salut tout le monde! On se retrouve, on est au port d'Anvers. Eh oui. Fameux port d'Anvers, hein? Alors c'est bien ici, ils ont refait la dalle, c'est pas mal. Parce que je suis venu la semaine passée et là... Justement, ils étaient en plein travaux pour refaire justement la dalle ici aux barrières et c'était pas évident. Avec leurs travaux, c'était pas fastoche. Alors oui, je coupe la ligne blanche, hein, mais c'est normal, vous en faites pas. Hein. Regardez ici quand même hein, le nombre de voitures. Pour l'export ou l'import, regardez là, c'est rempli de Ford Mustang, Mustang, c'est pareil. C'est fou. Il y en a plein, des GT, il y en a plein. je peux reprendre une pour rentrer à la maison, s'il vous plaît. Regardez-moi ça, comme c'est. Oh, c'est un truc de malade. Un truc de malade. Mais. Ah, pardon, désolé, j'ai pas fait attention. Qu'est-ce que j'allais dire avec les Mustangs? Oui, c'est vrai que c'est une voiture qu'on voit souvent maintenant en fait. Donc est-ce que c'est devenu abordable ou quoi? Je ne sais pas. Et ici à ma gauche, c'est rempli de Jeep et encore des Mustangs. C'est incroyable. Ah, c'est un truc de fou. Truc de fou, les gens. Ici on a un Volvo FH4 mais une ancienne génération. Des nouveaux Scania, des Renault, des camions, des voitures, plein partout. Et le pire, c'est que dans la boîte ici, on n'est pas les seuls à amener des remorques. Parce que bien souvent, on voit des remorques d'autres transporteurs. Je parle en remorque tiroir de transport de verre, comme je fais moi, bien sûr. Hein. Forcément que des remorques, il y en a d'autres marchandises. Mais je veux dire, en verre, on n'est pas les seuls à en amener. Alors, où est-ce qu'on sait qu'on va aller se garer ici hein? Si je peux trouver une place à côté de la remorque que je dois reprendre, qui est peut-être bien la blanche qui est là, mais non, c'est pas celle-là. Je crois que moi j'ai une place là-bas. Ah là, ici à droite, le camion blanc, mais vous ne le voyez pas. C'est un angle. Ah voilà, la remorque que je dois reprendre, elle est là. Oh, c'est une comme ça. Oh, oh, oh. Ah, c'est chiant, mais bon, bonjour. Alors là, il y a une bestiole, donc on ne peut pas.
là non plus, là non plus, là ben, c'est un peu pas, c'est pas assez large. Quelqu'un a pris celle-là? Bon, je vais devoir aller revoir dans une autre allée. Je ne peux pas voir dans l'allée ici. Donc ma remorque, elle était là-bas, je l'ai vue, ça c'est bon. Ici... Ah non, même pas. Oh. Alors là, je roule un petit peu en contresens, les gens, hein, mais bon. Pas grave. Avez-vous pensé à avoir des. Oh, j'aurais bien voulu avoir la remorque qui est ici à côté, que je viens de passer. Elle est plus propre que l'autre. Que celle que je dois reprendre. Ah, là j'ai une place là-bas, mais il y a des gens qui sont en train de. Ah, je vais essayer de la faire comme ça. Ouais, parce que là aussi il y en a une, mais c'est pas trop une place là, je pense. Ah, ou alors là. Enfin, il y a l'éolienne là-bas. Non, je vais essayer d'aller la prendre là-bas derrière. Voilà, nickel. Bon, je ne sais pas vous garder avec moi tant que je décroche et que je raccroche l'autre remorque. Donc on se récupère juste après. A few moments later. Yep, on se retrouve. Et j'en ai vraiment marre de ce camion. Qui met tout le temps le chauffage à fond, bordel. Où est-ce qu'elle était, ma remorque? Je ne sais plus.
la ranger à côté. Et voilà, c'est fait. Oh, vous avez vu le camion américain là? La grue. Pas mal. Kenworth. Ça c'est beau ça. Eh bien, c'est calme aujourd'hui. Et hop, j'arrive. Et voilà, ça a été vite, hein. Ça a été vite pour vous sur la vidéo, oui. Moi, dans la réalité, ça a pris une heure. Non, c'est pas vrai. Parfois, ça peut prendre longtemps, mais pas une heure. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. You could gain from being a bit nicer. No way.
One eternity later. Yop là. Ça, c'est toujours accroché, donc c'est parfait. Alors. Ah oui, tiens. Il fallait que je fasse ça aussi. Sinon, je ne serais pas payé. J'espère que vous allez bien. Je ne savais plus comment on écrivait Mesancy. C'est fou, hein, ça, les gens. Donc ici, aujourd'hui, on est à Gundershofen. Je ne sais pas si je le prononce bien. 9h40, ça c'est bon. Avec 66 458 km. Je suis non pas stressé, mais... un petit peu, puisque en ce moment on ne sait pas faire le plein au dépôt. J'ai voulu faire le plein sur une dans une station sur la route pour venir jusqu'ici, et donc dans une station IDS, puisqu'on va dans la station IDS. Je mets ma carte, enfin je passe la carte sur le lecteur. C'est ok, je mets les kilométrages, le code de la carte et tout ça. Je commence à faire le plein. Et ensuite, ça s'arrête. Ça s'arrête en disant, vous avez arrêté la transaction. Je dis, ben non, j'ai rien fait. Et quand je veux repasser la carte... pour recommencer, ben, ça me dit que la limite de la carte est atteinte. Et j'avais un autre chauffeur à côté, sa carte, ça faisait pareil, ça notait limite atteinte. Alors qu'il me disait, au début, il me dit, ah, problème, tu sais pas, par hasard ou quoi. Il ne parlait pas français, mais voilà. Et je lui dis, ben apparemment, limite de ta carte est atteinte.
Et il me dit, ah non, pas possible, big cash, big cash. Donc apparemment, il y a beaucoup d'argent sur la carte. C'est une carte IDS comme la mienne. Lors de là. Oui, là, ici, je suis en train de faire un petit rapport. Et donc, ben moi, du coup, parce que lui, il a eu le problème juste avant moi, et quand moi, du coup, j'ai voulu repasser ma carte après, eh ben, ça me disait aussi limite atteinte, machin. Donc, je sais pas, c'est bizarre. Donc, on est du côté de Strasbourg, hein, en fait, hein, en gros. Et maintenant. Ah, si, j'allais dire. J'allais dire, j'ai pas le numéro de commande pour ma prochaine commande, mais si, en fait, si, bon, il est là. Donc, on est du côté de Strasbourg, ici, hein. Et on va remonter à Metz. Et donc, oui, ben là, je suis un petit peu en stress, on va dire, mais sans vraiment l'être, avec cette histoire de carburant. Et ben, du coup, je n'ai pas su faire le plein. Comme j'ai pas su faire le plein, là mon camion me dit que j'ai une autonomie de 1100 km. Donc c'est un peu juste, mais bon, on verra bien. Et je suis arrivé par où moi? Je suis arrivé tout droit. Apparemment, il n'y a rien qui vient de l'autre côté, mais bon. Et oui, donc voilà. Un petit peu compliqué à ce niveau-là, mais bon. Le client a accepté la commande. Donc, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est que la commande a accepté. Parce qu'ils auraient très bien pu la refuser, hein, donc. Mais elle a accepté, donc c'est le principal. Et puis voilà quoi. Mais c'est bizarre parce que au moment où j'ai ouvert la porte pour décharger, je n'ai pas vu la cassure dans le verre. Je ne l'ai vu que après, allez. Parce que donc j'ai ouvert la porte et. Si vous voulez, il y a certains clients où quand on dépose notre chevalet, avec le verre dessus forcément, ils mesurent une certaine distance, parce qu'apparemment c'est des robots qui viennent décharger le chevalet, donc c'est carrément une grosse plaque avec des ventouses, hein, vous voyez, qui vient prendre feuille par feuille. Donc ils doivent mesurer au centimètre près pour pas qu'il y ait d'erreur après avec le robot. Donc je me suis placé une première fois et après il m'a dit recule encore un petit peu, je te dis stop, ok. Et c'est au moment où j'ai reculé que je suis retourné voir après pour retirer les barres de maintien, tout ça, de la remorque, que là j'ai remarqué, j'ai dit ah, ça, pas normal. Parce qu'une fois que je l'ai vu, la cassure en question, elle saute aux yeux, je la vois, il n'y a pas, voilà. Mais en ouvrant la porte là j'ai rien vu et donc je me suis dit est-ce que c'est pas plutôt... Ici en reculant que ça aurait fait, je sais pas, un truc ou quoi, parce que il n'y a pas eu de choc, il n'y a rien eu, j'ai rien touché, donc. Et alors lui, il a mis un machin en carton. Donc les fameux. Enfin, vous avez jamais vu, je vous ai jamais montré, mais on a des grosses. Comment je peux vous dire ça moi? Un longeron, si vous voulez, en carton, qui viennent se mettre quand on a des piles de verre qu'on doit séparer. On a une première pile de verre avec 10 feuilles de verre dessus, par exemple.
ou plus que 10, hein, ça dépend de l'épaisseur. Pour séparer chaque pile de verre, on met une épaisseur en carton tout le long. Et comme ça, au moins, si c'est deux types de verres différents, ben, les deux types de verres ne sont pas en contact, en fait. Et donc, il s'est servi d'un de ces machins en carton-là pour poser pile à l'endroit où il y a eu la cassure. Mais c'est quand même pas le carton qui serait venu faire une fissure, quoi. Donc, je ne sais pas comment ça a pu arriver. Après, si c'est arrivé sur la route, bah, ça ne m'étonne pas non plus. Hein. On a des routes dans un état lamentable. Donc, en tout cas, moi, quand je me suis garé hier pour la nuit, que j'ai ouvert ma remorque, bah, je n'ai rien vu non plus. Donc, parce que bien souvent, oui, hein, le soir avant de dormir, quand on se gare, bah, on va faire le tour. On regarde un petit peu dans la remorque que les poussoirs soient bien serrés, tout ça. Donc voilà, et à ce moment-là, je n'ai rien remarqué non plus. Donc bon, là, il faisait... non, est-ce qu'il faisait déjà noir ou pas? Je ne me rappelle plus. Mais je n'ai rien remarqué à ce moment-là non plus. Donc bon, bah écoutez. Ça a été accepté, c'est le principal. Et puis voilà. Et lavez ta voiture, monsieur, c'est bien. Quand il fait beau, faut en profiter. Même que là, le ciel commence à se couvrir déjà un petit peu, hein, mais bon. Donc voilà. Et ici, eh ben, donc là, on est juste après la petite vidéo que vous venez de voir avec le basculement de la cabine. Donc voilà, plutôt impressionnant à voir à chaque fois. Hein, je pense que j'avais déjà basculé la cabine sur l'ancien camion, mais je ne vous l'avais pas partagé, je crois. Je ne sais même plus si je l'avais filmé ou pas. Je me rappelle même pas si c'était vraiment... si je l'avais fait ou pas, mais en tout cas ici avec celui-ci c'est fait. Et la fois où ben, la vidéo où vous voyez la cabine basculer et revenir, là c'est quand on a fait le diagnostic de la panne pour laquelle j'étais au garage, à savoir que j'avais sur le tableau de bord, à chaque fois que je mettais le contact, j'avais un défaut de préchauffage qui venait s'afficher. Donc quand ils ont basculé la cabine ben, la première fois, ils ont regardé d'où ça pouvait venir. Ils ont regardé dans le bloc moteur, enfin pas dans le bloc moteur, mais sur les côtés, dans un des boîtiers qu'ils ont dû démonter, ça leur a pris pas mal de temps. Ils ont regardé une résistance qui était là-dedans, dans ce boîtier-là, si elle fonctionnait bien. En effet, elle fonctionnait bien, donc c'était bon. Et ce qui pouvait poser problème, c'était peut-être le relais qui était caché en dessous. Et donc là ici, ben, hier, j'étais au garage de nouveau, là j'ai pas refilmé... Je n'ai pas refilmé pour basculer la cabine parce que bon voilà, je l'ai une fois, c'est déjà bien comme ça. On n'a pas besoin de faire plusieurs fois les mêmes plans. Et là, ils ont changé le relais en question. Et maintenant, on est bon. Et puis même, quand ils ont fait le diagnostic, une fois qu'ils ont remis la cabine et qu'ils ont retiré leur PC pour les mises à jour, certainement tout ça... Et tout le tralala, ben, je n'avais déjà plus le code erreur en question qui s'affichait. Il me dit, là, vous n'avez plus le code erreur depuis que vous êtes venu la première fois. Je dis, ben non, il n'y a plus rien. Il me dit, ok, d'accord. Il me dit, mais bon, on remplace quand même le relais en question comme ça, on ne sait jamais. Et là, c'est sûr, après, vous ne devriez plus avoir le problème. Quoi. Donc voilà. Mais sinon, c'était juste le témoin qui s'affichait au tableau de bord et le camion démarrait quand même au quart de tour sans problème. Donc, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là, mais bon. La pièce a été remplacée quand même, c'est fait, on est tranquille. Et puis voilà. Autre réparation dans la remorque aussi que j'ai fait hier, puisque hier j'ai pris un chevalet avec du verre qui faisait 6 mètres de long et par-dessus du verre qui faisait 5 mètres de long. Et quand c'est comme ça, quand on a du verre qui fait une taille et un verre qui est plus petit au-dessus, on met des cales en bois sur le côté. Parce que le verre ne va pas se placer à la même hauteur. Parce que sinon, il y a un verre qui va s'arrêter là, puis l'autre là. Puis, enfin, vous voyez, c'est par rapport aux tailles. Donc voilà. Et la fameuse cale en bois, quand j'ai déchargé le chevalet, si vous voulez, dans la remorque, on a les parois de chaque côté. Et derrière ces parois, ben, il y a les mécanismes des suspensions, des amortisseurs de la remorque et tout le tralala, les mécanismes de frein, tout ça, les différents leviers et tout ça. Et donc,
pour pouvoir y avoir accès depuis la remorque, puisque de l'autre côté avec le pneu, ben, sans démonter le pneu, c'est compliqué. On a des plaques à l'intérieur de la remorque qui sont riftées, si vous voulez. Et c'est quoi cette lumière orange? Ah, c'est pour le train. Okay. Donc on a des plaques et il arrive parfois que les plaques soient arrachées par un petit truc qui dépasse du chevalet. En général, sans faire de casse sur le verre, heureusement. Le plus souvent, c'est quand on transporte des bases. Donc vous savez, hein, les chevalets surélevés comme ça. Parce que ça passe très 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 près des parois de la remorque de chaque côté. On a 1 cm de jeu de chaque côté. Et la première fois que ça m'était arrivé, c'est sur les bases où on a des barres en fait à placer pour maintenir le verre, pour pas que le verre parte en avant. Et c'est une barre comme ça, en transportant une base vide, la barre avait bougé sur la base parce qu'on n'avait pas d'emplacement pour la ranger. Sur ces bases là il n'y a pas d'emplacement. Sur les autres bases avec un autre système, là il y a des emplacements pour ranger les cales, donc là ça va mieux. Mais là il n'y en a pas, et j'espère que vous me suivez, hein. Et la barre en question, ben, s'était mise sur le côté de la base, et en déchargeant la base, ben, forcément elle s'est calée et elle est venue arracher une plaque. Et hier, ce que j'ai eu, ben, c'est que j'ai deux plaques qui se sont arrachées. Donc la première plaque en question, on a su la rafistoler, mais les deux d'hier, on a été obligé de les changer parce que voilà, c'était impossible de les rafistoler, quoi. Donc voilà. Donc hier aussi, j'ai été au garage pour ça, au bureau. Et ensuite, j'ai dû aller au garage chez Volvo pour la panne en question. Alors, vous avez certainement remarqué ma voix. Enfin, ma voix, plutôt ce qu'il en reste. Il y a quelques jours de ça, c'était pire. C'est pour ça que quand j'ai filmé le basculement de la cabine, j'ai pas parlé, rien du tout. Parce que ma voix, là, à ce moment-là, c'était vraiment... C'était encore pire que le père Foura dans Fort Boyard, hein, si vous voyez. Là, ça revient un petit peu, mais voilà. Et ça, c'est à cause de quoi? Eh bien, c'est à cause de la clim de nuit. Voilà. Je me suis endormi avec la clim de nuit en plein sur le visage. J'ai oublié de la couper moi-même. Et apparemment, d'habitude, pendant la nuit, elle se coupe toute seule. Mais là, elle ne s'est pas coupée pour le coup. Et le lendemain, j'ai directement senti que j'allais avoir une extinction de voix... Mais à ce point-là, phénoménal, c'est un truc de fou, hein, parce que là... Ah, c'est marrant, ça, un Buffalo Grill qui ne ressemble pas aux autres Buffalo Grill. Il n'a pas la même architecture. Donc voilà. Ce matin, j'ai dormi à la frontière de... Enfin, cette nuit plutôt, j'ai dormi à la frontière à Aubange. Donc... Belgique-France, hein, forcément. Ici, on est à Strasbourg, on a déjà 3h30 de volant. On fait 1h15 de volant pour remonter à Saint-Bouze pour recharger pour la Belgique. Et recharger pour la Belgique du côté de Anvers. Encore du Anvers, malheureusement. Mais bon, au final, on finit par apprécier. La camionnette blanche, elle fait quoi? Ton clignotant, s'il te plaît, ça m'aurait évité de freiner. Oh, dites-le. Parce qu'on a beau dire anticiper. Moi, je suis désolé. On a beau anticiper tout ce qu'on veut. Quand la vue n'est pas bouchée par des arbres ou des trucs ainsi, c'est à cause des gens qui mettent pas leur clignotant. Et puis voilà. Alors ici. Ça part à droite. Ok, on y va. Hop. Le GPS me proposait deux itinéraires pour repartir à Saint-Bouze. L'autoroute ou passer par des départementales. Et je me suis dit, départementales, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais ce que ça peut donner. Donc je vais prendre l'autoroute. Et puis comme ça au moins, c'est déjà bien. Allez, je vous laisse le temps d'une musique ou deux. Apparemment, vous aimez bien les musiques, que je vous propose. Bon, on va pas se leurrer, hein, ce sont des musiques libres de droits d'auteur. Et si jamais ça vous intéresse, je peux vous mettre le lien en description.
je prends toutes ces musiques sur le site Epidemic Sound. Toute une bibliothèque de musiques diverses et variées. Vous avez tous les styles que vous voulez. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour des vlogs, pour des, ouais, pour des voyages, pour des... Il y a vraiment de tout, quoi. Donc je vous mettrai ça en description. Et si ça vous intéresse, vous pourrez y aller. Par contre, c'est vraiment bien comme système. Parce que donc, il y a un abonnement, forcément, hein, ça, vous en doutez bien. Il y a un abonnement de 17,99€ par mois. 17,99€ par mois. Et ma chaîne YouTube est reliée sur le programme, enfin sur le site en question. Donc, toutes les musiques que je mets dans mes vidéos YouTube, tant que mon abonnement est actif, seront valables indéfiniment. Si par exemple, le mois prochain, je coupe mon abonnement, eh bien, toutes les musiques qui ont été mises sur ma chaîne YouTube pendant ma période d'abonnement resteront quand même valables. Et bien sûr, tout ce que je pourrais mettre après, ben là forcément, ben ça passera pas. Là, ils vont dire, vous n'êtes pas abonné à cette période-ci, donc les musiques que vous mettez ne sont pas acceptées. Et ça me strike la vidéo sur YouTube, quoi. Donc voilà. Allez, d'abord, je vous laisse avec une musique ou deux. Et on se récupère plus tard. I'm not afraid.
Allez, on se retrouve. Alors, ma voix, ça va pas vraiment mieux, hein, mais bon. Pas grave. C'est pas grave. Il est. Ben il est. On va dire qu'il est 6h. Hein, il est 6h moins 5. J'ai démarré à 3h30 du matin. J'étais arrêté hier depuis 16h. Je me suis endormi sur le coup de 17h30 jusque. Ah, ben tiens, on est à côté de Plopsheim d'Oraselt. Ah, ben voilà, c'est ici. Et ouais, donc je me suis endormi sur les coups de 17h jusque 20h40. Et j'avais chaud. Et en plus de ça, quand je me suis réveillé, il y avait une odeur dans le camion. C'était incroyable. Et en fait, l'odeur. En fait, l'air de repos où je me suis arrêté à l'air de repos de Rémy Champagne. C'est comme ça que ça s'appelle. Hein, sur la E25, E411. En remontant vers Liège. Je me suis arrêté là et. À côté à côté de l'allée de parking, c'est tout un terrain. Et ils avaient tondu la pelouse en fait. Et je pense que c'est ça en fait. Parce qu'en fait, ils ont tondu la pelouse, mais ils n'ont pas ramassé. Donc il y a toute la pelouse coupée qui est en train de macérer là. Et je pense que c'est ça l'odeur que j'avais dans le camion. Donc. Avec la clim de nuit, ben, ça ramenait toutes les odeurs et c'était un peu chaud du coup, mais bon. J'ai balancé un peu de parfum dans le camion pour dire de d'aider un peu, mais c'était pas. C'était pas vraiment glorieux. Et ouais, donc je me suis réveillé à 20h40, puis forcément, ben, j'ai pas redormi tout de suite. J'ai essayé de me rendormir après, je me suis rendormi un petit peu, mais comme à cause des batteries du camion, l'aération elle s'arrête à un moment donné. Comment ? Mais j'avais plus d'aération, j'avais plus d'air frais, donc c'est super chaud dans le camion, quoi. Donc. Et toi mon grand. Et donc je me suis réveillé plusieurs fois complètement trempé, enfin trempé, pas trempé mais voilà quoi. Ouais, si je devrais aller à droite. Et oui, du côté de Eindhoven. Alors ici c'est des routes que je ne connais absolument pas. On vient de passer à Selt. Et d'ailleurs là je viens de passer à côté de Plopsa Indoor à Selt. Pour ceux qui connaissent. Là on a encore 35 minutes de route pour arriver chez le client. Normalement j'aurais dû y être à 6h, mais comme je me suis arrêté hier vers 16h, ben, le temps de faire les 11h de coupure, tout ça, je me suis arrêté, il était 16h25. Donc forcément 11h de coupure, ben ça fait 3h25. Donc je suis parti à 3h30 et j'étais encore à 2h40 de chez le client, donc forcément. Et j'ai dû m'arrêter à l'aire de Sprimont pour donc juste avant Liège, hein, pour faire le plein du camion parce que il me restait que 700 km d'autonomie, donc là un peu chaud. Comme les pompes étaient en panne au dépôt, ben, j'avais pas su faire le plein avant de quitter le dépôt la dernière fois, donc sinon là je n'aurais été qu'à la moitié éventuellement.
Allez, capte-le, un bordel. Ah, ça c'est chiant ça. Quand le cruise control ne capte pas le véhicule devant, c'est chiant. Ouais, donc j'ai fait le plein, donc ça a pris du temps aussi, hein, parce que bon. Et le plein, ça fait mal quand même, hein, 1200 euros. 1200 euros de diesel. Qu'est-ce que j'en ferai des kilomètres avec ça dans la voiture? N74 et apparemment je suis comme ça jusqu'à l'arrivée. Enfin, jusqu'à l'arrivée, ouais, pas très loin de l'arrivée, ouais. J'ai 30 km ici. Là, à mon avis, on va avoir le feu rouge. Je sais pas pourquoi. Non? Si ce sont des feux intelligents, c'est déjà bien. Ouais, ça va. Tant qu'il y a personne qui arrive sur les côtés. Il reste vert pour nous, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ouais, donc ici, je regarde un peu. Ouais, c'est ça. Voilà, sur la même route pendant autant de temps. Jusqu'à arriver là-bas. Voilà. Hé, le bus! Tu roules plus vite que moi? T'es même pas en service en plus. Oh, ça fume. Ah, vas-y, capte-le et freine comme ça, c'est bien ça. Allez, on s'arrête. On s'arrête le camion. Qu'est-ce qu'il raconte là? Ah oui, ok. Mon collègue vous prendra avec plaisir. Ben là, t'as pas vraiment de collègue à côté de toi, hein. Le camion qui vient de passer là à côté, il a un petit Mario sur sa fenêtre passager. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un petit Mario. Bon allez. Musique maestro. I don't wanna win.